faut pas qu'on donne le temps à les bandits là. Il faut pas qu'on donne le temps à les sorciers. Je les appelle maintenant sorciers. Les sorciers qui sont au pouvoir là. Alpha Condé et ses entourages. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Vous les sorciers, vous n'êtes plus maintenant dans vos corps humains. Vous avez pris Satan pour travailler avec. C'est pourquoi vous ne voyez rien. Vous n'êtes, les gens pensent qu'ils ont être humains comme ça au pouvoir. Ce sont les satans que vous avez comme ça là. Vous qui les prennent comme votre président. C'est Satan, groupe de Satan que vous les voyez comme ça là au pouvoir. Parce qu'un être humain qui croit à Dieu ne se comporte pas comme ça. Et votre Satan qui est dans votre corps là, je vous dis bien, Satan qui est dans votre corps là, ça ne va pas prendre tous les enfants dignes de la Guinée. Nous, les enfants dignes de la Guinée, on va vous chauffer matin, midi, soir, que vous voulez ou pas. Que vous voulez ou pas, nous, on n'est pas là pour prendre l'argent avec vous. Nous, on n'est pas là pour vous supporter avec vos comportements sales là. Nous, on veut le développement de notre pays. On veut voir notre pays comme les autres pays que quand on s'assoit sur... Quand on parle, c'est les autres. La façon dont on voit que c'est évolué, c'est comme ça qu'on veut voir notre pays. Nous, on n'est pas là pour prendre l'argent. C'est parce que les gens qui prennent l'argent avec vous, ils ne connaissent rien. D'autres ont faim. Ils ne savent pas comment faire. C'est pourquoi. Et il y a les fainéants. C'est les fainéants aussi qui sont derrière vous, qui ne veulent pas travailler, qui veulent seulement l'argent facile. En train de détruire les enfants pauvres du pays. Je vais vous parler la nuit là. Je sais que vous ne dormez pas là-bas. C'est la nuit, on va vous chauffer. Quand mes frères et mes soeurs vont vous chauffer la journée là sur Facebook, moi aussi je viens terminer la nuit. Que vous voulez ou pas, on va vous dire nos quatre vérités. Parce que nous, on est les fils dignes de la Guinée. On va pas croiser les bras comme ça, en train de vous regarder avec vos sales comportements là. Il faut qu'on vous dise les quatre vérités matin, midi, soir. Vous allez libérer nos frères. Vous allez libérer nos papas qui sont en prison. Vous allez libérer nos sœurs qui sont en prison, qu'ils n'ont rien fait. Tellement que tu es raciste, Alpha Condé, tellement que raciste là est dans ton sang, toi et ton groupe là. Vous ne vous cachez même pas dans ça. Et je serai là chaque jour à parler dans l'oreille de mes frères dignes, de mes sœurs dignes du pays. Les gens qui veulent que la Guinée sorte dans cette situation, donnez-nous la main, la famille. Donnez-nous la main. Ce n'est pas les êtres humains qui sont au pouvoir comme ça. C'est les sataniques chroniqués qui sont au pouvoir comme ça. Vous avez tué Bamba. Parce qu'il a été digne. Il a été un fils digne du pays. Il a aimé son pays plus que votre sale comportement là. Il n'est pas comme vous. Mon frère là n'est pas aujourd'hui. Mais son nom va rester. Son nom va rester tant que nous on est sur notre pied dans ce monde-là. Son nom va régner en Guinée. Tous nos frères que vous êtes là à les tuer, à les manipuler, à les torturer. S'ils n'en bénéficient pas aujourd'hui, leurs enfants vont en bénéficier demain. On va tout faire. Vous les satans comme ça, là. Vous avez tué Bamba, maintenant c'est Fonique Mangue que vous voulez. Et votre médicament là ne va pas l'attraper. Si vous ne laissez pas notre frère, si vous ne laissez pas nos frères dignes, qu'ils veulent avancer le pays là. Parce que vous, vous n'êtes
Vous n'êtes que des zéros. Des zéros. Je ne sais même pas quel mot que je peux vous comparer. Parce que même zéro qu'on parle là est plus mieux que vous. Même chiffre zéro, l'homme a besoin de ça plus que vous-même. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur. Vous êtes assis dans ce pays-là, soi-disant que vous êtes le fils de la Guinée. Et vous êtes là à regarder la Guinée, comment il est. Comment la situation de la Guinée est. Et vous êtes là à dire que vous êtes le fils digne de la Guinée. Ça me fait rire. Ça me fait rire. La famille, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. On n'a pas les êtres humains comme ça au pouvoir. Même les animaux sont plus bons que les satans là. Même les animaux sont plus bons que les satans là. Parce que même tu vas en brousse là, les animaux, ils se suivent. Ils ont leur coin. Mais les sataniques qui sont devant nous comme ça, qui ne s'aiment même pas entre eux, qui sont là seulement à fatiguer les pauvres populations. Libérez nos parents qui sont en prison. Ce n'est pas forcé d'aimer quelqu'un. Nous, on sait là où envoyer notre tête. Il faut aimer quelqu'un qui voit la même vision que toi. Il faut aimer quelqu'un qui parle la même chose, même idée que toi. Mais on ne peut pas vous suivre parce que votre vision et notre vision n'est pas la même chose. On ne peut pas vous suivre, vous les satans. On ne peut pas vous suivre parce que vous êtes là pour votre intérêt. Et nous, on est là pour envoyer le pays là en avance. Donc vous et nous là, on n'est pas les mêmes pieds d'égalité. Et on va toujours être là en train de vous combattre. À cause de vous, beaucoup souffrent aujourd'hui en Guinée. À cause de vous, d'autres ont laissé la Guinée. Souffrance a fait que d'autres ont laissé la Guinée. Ils n'ont pas pu rester. Ces yeux, ils ont perdu l'arme sur la route à cause de la souffrance. Quel pays où tu peux rester? Souffrir en train d'étudier. Tu finis encore, il n'y a pas un boulot. Un pays où ça ne monte pas, ça ne descend pas. C'est-à-dire tout le monde est assis seulement. Nous qui sommes par là, on souffre. On ne peut pas regarder nos parents là-bas en train de souffrir. D'autres sont là. Ils ont même 45 ans. Bientôt, ils vont rentrer dans 50 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de femmes. Ils sont là seulement à prendre soin que leur famille là-bas. Si au moins le pays était développé, d'autres personnes sont là. S'ils ouvrent leur bouche pour parler les charges qu'ils ont, tu vas courir. C'est-à-dire, ils sont là à travailler, ils ne savent même pas là où l'argent va. D'autres sont dans une famille que personne ne monte, personne ne descend. C'est eux qui sont là à les nourrir. Et vous êtes flanqué là-bas, au lieu de votre 10 ans que vous avez fait, en train de faire vagabondage seulement. Il n'y a pas quel voyage que Alpha Condé ne faisait pas. Il passait même ses temps en extérieur par là. C'est maintenant que c'est chaud, il est flanqué là-bas parce qu'il est bloqué, il ne peut pas partir. Tous ces 10 ans-là, au lieu de nous envoyer des bonnes choses, il ne faisait que voyager seulement, monter, descendre, en train de gaspiller nos richesses.
ce qu'on lui a dit de faire. Lui et ces groupes-là, ils sont là à gâter nos richesses sans travailler. Libérer la place là et libérer nos frères, libérer nos papas qui sont en prison. Libérez-les. Ce sont les fils dignes de la Guinée. Ce sont les enfants de la Guinée qui veulent développer le pays là. Tout le monde ne peut pas être lâche comme vous. Tout le monde ne peut pas être chien comme vous. Partagez la famille. Il faut qu'on se prépare contre les sorciers là. Leur sorcellerie qu'ils sont là-bas en train de faire sur notre parent, on ne va pas croiser nos bras comme ça en train de les regarder. Ça, c'est fini. Nous, les nouvelles générations là, on ne va plus laisser maintenant un satanique comme ça suer sur nos parents. Le pays là, que vous voulez ou pas, même les générations qui vont se réveiller là, nous on va continuer le bataille là. Et on va toujours parler dans l'oreille de nos frères et nos soeurs. Ne prends pas les comportements là, s'il vous plaît. Ne prends pas leur comportement là. Il faut que nous, on change le rythme là. Il faut que nous, on change le rythme là. Ce n'est pas un bon système, la famille. Ça, ce n'est pas un bon système. Nos papas ont souffert dans le système là. Il ne faut pas que nous, on souffert aussi dans le système là et que nos enfants et nos petits-enfants vont souffrir encore dans le système là. Vous qui sont derrière nous là, il ne faut pas prendre les comportements là, s'il vous plaît. Même si on vous rencontre quoi, mettez dans vos têtes que le pays là, même si mon ami m'a découragé de faire ça, le pays là, je suis le fils du pays là, je dois faire quelque chose. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous qui sont derrière nous là, mettez dans vos têtes que la Guinée c'est pour nous. Je ne vais pas laisser même, parce qu'aujourd'hui la famille, quand les gens, si tu vois que Fonike Mangue est en prison, parce qu'il est toujours sous ses mots, et quand on dit un homme, c'est ça. Quand on dit l'être humain, c'est ta parole. Ne dis pas bonjour et qu'on voit dans ton bonjour, là, c'est pas bonjour, la famille. Beaucoup de personnes parlent sur le réseau social ici, la famille. C'est pas tout le monde qui sont les vrais. Beaucoup se font croire comme s'ils sont vrais, c'est pas tout le monde qui sont vrais. Façon donc que vous voyez les gens qui sont parmi vous là-bas, là, qui prennent l'argent avec les satans là. D'autres aussi sont sur le réseau social, c'est comme ça ils sont. Ils se font comme si ils sont bons. Ils sont comme le vrai fils du pays et pourtant c'est faux. Ils sont là pour leur intérêt, la famille. Quelqu'un qui veut toujours faire un bon travail, les paresseux vont venir toujours sur son chemin. Il ne faut pas que vous regardiez ça, la famille. Il ne faut pas que vous regardiez ça. Que qu'on t'assoie demain dans quelque part pour faire quelque chose pour le pays, fais-le avec le cœur. Fais-le parce que c'est ton pays, tu dois faire quelque chose. Pour que les générations qui vont venir derrière toi vont en bénéficier, la famille. Si Sékou Touré n'avait pas fait certaines choses au pays, que nous-mêmes on utilise aujourd'hui, il faut laisser le nom. Il faut faire un bon travail dans ton pays. C'est ça, la famille. Tu vas prendre l'argent, la manger. Et le travail qu'on t'a dit de faire, tu ne vas pas faire. Tu vas prendre l'argent, la manger. Demain, toi-même, tu vas regretter pourquoi tu as mangé ça. Parce qu'un jour va venir,
travail qu'on t'a dit de faire là et que tu n'as pas fait ça, tu as mangé l'argent là. Si ton fils n'a pas besoin de cette chose qu'on t'a dit de faire, ton petit-fils aurait besoin de main pour ce travail qu'on t'a dit de faire. Si on te donne l'argent pour dire construire, tu es ministre de ça là, il faut construire les écoles, il faut le faire. Même si c'est 100 francs que tu prends dedans pour manger, mais fais le bon travail, la famille. Le travail que tu vas faire là, ce que ça va apporter à la population, même si tu n'es plus demain, ton nom là va rester toujours. Même si tes enfants et tes petits-enfants que tu ne vas pas les revoir, demain quand ils vont grandir, ils vont leur dire, c'est votre grand-père ou bien c'est votre grand-mère qui avait fait ça. Les enfants de Sékou Touré sont plus honorés aujourd'hui que les autres enfants, enfants du président. Pourquoi? Parce que il a été un vrai enfant du pays. Et c'est ça l'homme, la famille. Il ne faut pas que vous allez suivre les sataniques là. Et ils sont là seulement pour leur bien. Ils sont là seulement pour nous. Ils ont fini de nous détruire même. Si on ne se lève pas, si on ne se donne pas la main, la famille, façon donc que les gens là ont gâté le pays. Si on veut prendre comme ça, ça va continuer. Moi, mon combat, ce n'est pas maintenant. Je ne veux pas maintenant que quand leur groupe là va partir là, on est là à faire tout pour que les sataniques là vont quitter. Et le jour où ça va quitter, les vrais fils vont montrer du bonheur au pays. Les vrais fils vont vous montrer que vraiment, on est là pour vous, la famille. Groupe satanique qui est là-bas, là, il faut qu'on se donne la main pour les chercher. Ce qu'on ne connaissait pas avant, là, on a tout compris aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans leur bateau. Vous qui ne comprenez pas là, vous qui ne comprenez pas là, il faut que ça rentre dans vos oreilles. La Guinée, c'est ce vous. Vous êtes là-bas en train de prendre l'argent là, en train de vous s'asseoir encore dans la salité là-bas. Et la Guinée, c'est ce nous. Même si tu pars, c'est les autres. Tu ne connais pas l'importance de ce toi. C'est quand tu sors dans l'aventure que tu vas connaître l'importance de ce toi, la famille. C'est quand tu vas sortir dans l'aventure là, quand tu vas quitter ton pied en Guinée pour aller chez les autres, c'est là-bas que tu vas comprendre que, ah, on est bon chez nous. Parce que façon dont que les autres vont vous montrer comment ils prennent soin de leur loi et de leur pays, quand tu vois tout ça là, Alpha Condé devrait faire quelque chose, la famille. Je vous le jure. Alpha Condé devrait, c'est Alpha Condé même qui devrait travailler le pays là pour nous. Je jure. Parce que quelqu'un qui est sorti, même venu faire une semaine aux États-Unis ici, ou bien en Europe, tu te retournes avec l'esprit ouvert comme ça, là, la famille. Avec l'esprit ouvert. Lui qui a fait toutes ces choses-là en Afrique, en Paris, il n'a même pas pu faire quelque chose de bon chez nous, la famille. Si tu ne comprends pas que ce toi est bon, c'est quand tu vas sortir que tu vas connaître que je dois prendre soin de ce moi. S'il vous plaît, la famille, donnez-nous la main. Ce n'est pas les êtres humains qui sont devant nous comme ça. Vous pensez que c'est les personnes
qui peut nous faire sortir dans la souffrance. C'est les, je vous dis, même zéro est plus bon que les anges là. Vous êtes poussé là-bas dans votre lit. Regardez-moi bien. Moi, la mort, là, je sais que je vais mourir. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur aujourd'hui, je n'ai pas peur demain. Parce que c'est préparé dans ma tête maintenant. Mais le reste de ma vie, je ferai ça pour combattre les ennemis de mon pays. Je dis bien les ennemis de mon pays, hein? Les ennemis qui ne veulent pas que la Guinée avance. Les ennemis qui sont là seulement pour leur intérêt. Les ennemis qui sont là seulement pour gâter les bons travails des fils dignes du pays. Je serai là toujours à vous combattre. Parce que c'est vous qui décourage les autres. C'est vous qui ment sur les autres ici. Avec vos bouches sales là, vous n'avez même pas honte. Les paresseux fainéants comme ça là. Vous ne voulez pas travailler. Les gens qui veulent travailler, vous êtes là à les tuer. Vous êtes là à mentir sur eux. Les perdantes comme ça là. Vous allez libérer nos parents. Vous allez libérer nos parents. C'est pas vos sacrifices. C'est pas nos parents que vous allez prendre pour faire votre sacrifice sale là. Et vous allez prendre vos enfants, venir les flanquer sur les blancs ici, en train de tuer les enfants des autres là-bas. Dieu va payer ça sur vos enfants. Tout ce que vous êtes là à faire sur les enfants des autres, Dieu va vous payer cher sur votre enfant. C'est pourquoi certains enfants sont là. Ils ne prennent pas du sérieux. Parce que c'est votre malédiction là qui les suit ici. Là. Ils sont là. Quand ils voient d'autres même, quand on te dit que c'est l'enfant de tel ministre ou bien c'est l'enfant de l'ancien président, tu ne vas même pas croire. Tu ne vas même pas croire. C'est malédiction là qui suit vos enfants là ici. Parce que vous prenez l'argent du pays. Et certains enfants sont là-bas en train de dormir. Sans manger. Et vous venez payer les écoles chères ici pour que vos enfants vont partir à l'école. Au moins, quand tu prends l'argent pour aider ton enfant, là où on t'a fait flanquer aussi pour travailler, pour que tu gagnes l'argent là, il faut faire bonne chose encore pour les enfants des autres qui sont au pays. C'est ça la vie. C'est ce nous qui attend que, et il faut que tu partes faire prison, tu seras fort. Les mensonges comme ça là, c'est leur méchanceté là qui font rentrer dans les choses pour parler. Les blancs sont là, qui fait prison ici? C'est leur tête qui travaille. Et ils savent que leur pays là, il faut que quand on te met là-bas, tu dois faire un bon travail avant de partir. Et ils n'emprisonnent personne ici. C'est ce nous seulement qui attend leur mots sales là. Tout ça là, c'est les mots des fainéants. Parce que quand ils ne veulent pas faire quelque chose de bien, c'est là-bas qu'ils vont prendre des mots bizarres pour faire sortir, pour mélanger la tête des pauvres parents. Et nous, on serait là chaque jour à parler, que vous voulez ou pas. On serait là chaque jour à parler dans l'oreille de les nouvelles générations. Là. Parce que votre système là, vous qui sont, vous les sataniques là, votre système là, ça va rester derrière vous partir. C'est votre groupe là qui va partir avec le système là. Parce que nous, on ne va pas marcher sur le système là. Et nos sœurs et nos frères qui sont encore derrière nous, on va toujours leur parler pour ne pas qu'ils marchent sur le système là. S'il vous plaît, la famille, donnez-nous la main. Que tu sois malinqué, que tu sois forestier,
que tu sois Soussou, que tu sois Peul, que tu sois Kissi, toutes les races qui sont en Guinée, donnez-nous la main pour qu'on travaille ensemble. Ça, c'est ma voix chaque jour, matin, midi, soir. Donnez-nous la main pour que nous tous, on puisse partager le bonheur là ensemble. Il ne faut pas qu'on écoute les menteurs. Il ne faut pas qu'on écoute les sataniques là. Ils ont divisé le pays pour qu'ils puissent rester au pouvoir jusqu'à. Ne leur donne pas le temps. C'est pourquoi ils ne montent pas, ils ne descendent pas, ils ne font rien là-bas. Et la faim est sur vous. Et quand on prend l'argent là pour vous donner, vous êtes là à les supporter. Oubliez ça, la famille. Ne prends pas l'argent que tu vas manger seulement dans un mois. Ne prends pas l'argent que tu vas manger seulement dans un mois. Ils sont là-bas, là. Ils prennent l'argent là pour vous donner. Pourquoi pas créer des emplois pour vos enfants? Quand ils regardent même les écoles, vous qui sont au pays là, prenez votre temps, vous allez passer. Vous qui sont à Conakry, partout en Guinée là-bas, allez-y regarder les écoles, comment ça est. Il y a des écoles même que depuis Sékou Touré a construit, ça est comme ça. C'est peinture seulement qu'on fait. Même les bancs qui sont en classe. Jusqu'à, on est maintenant dans 2001. Rien de nouveau dans les classes. Les classes sont anciennes. C'est les anciens modèles là seulement qui sont là-bas. Le monde est en avance aujourd'hui de la famille. Nous, on est derrière. Tableau là, c'est depuis que moi je suis née, façon dont que j'ai vu tableau là. C'est comme ça que ça est en Guinée. Rien n'a changé. Rien. Avec le monde qu'on est aujourd'hui, rien n'a changé, c'est nous. Ça fait honte la famille. On ne peut pas tout dire. Donnez-nous la main. Moi, je serai là chaque jour à vous dire, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. On a beaucoup de choses à changer, c'est nous. Tant qu'on ne se donne pas la main, il faut qu'on soit fort plus que les satans qui sont parmi nous là. Les imbéciles qui sont parmi nous là, qui nous découragent chaque jour. Quand ils voient que toi, tu es là pour faire quelque chose de bien pour le pays, ils vont venir gâter là. Il faut qu'on soit fort plus que eux. Si tu as quelque chose de bon pour faire en Guinée, n'écoute pas les mâles personnes là. N'écoute pas les sataniques là. Et ils sont parmi nous seulement pour gâter parce qu'ils aiment la facilité. Ils ne vont rien faire du bon. Et quand ils vont te voir en train de faire d'arranger encore, ils veulent qu'on soit comme eux. Il ne faut pas qu'on soit comme eux, la famille. Il faut que nous, on les montre que le pays là doit bouger. Et c'est le temps. On ne va pas vous laisser, vous les sorciers là. On ne va pas vous laisser. Le moment est là pour nous. Si vous pensez que c'est tout le monde qui va s'asseoir en train de vous regarder dans vos sales comportements là, sous nos parents, nous, on serait là chaque jour à vous dire nos quatre vérités, que vous voulez ou pas. Que vous voulez ou pas. Vous pensez que nous, on va passer tout le temps, c'est les autres ici, en train de travailler comme des moutons? Hein? On a besoin d'aller se reposer chez nous aussi. On a besoin d'aller se reposer chez nous. Il y a nos sages qui sont, il y a certaines personnes qui sont là, ils sont fatigués maintenant. Ils sont devenus vieux.
mais ils ne peuvent pas partir. Ils ont construit des bonnes choses là-bas. Mais comment un pays peut être comme ça et que tu quittes dans le paradis comme ça pour partir? Il faut que la Guinée aussi soit paradis. Et le moment est venu. Nous, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Et les nouvelles générations, nos frères et nos sœurs qui sont derrière nous, donnez-nous la main. Soyez ensemble dans le quartier. Mettez dans votre tête que la Guinée, c'est pour nous. Personne ne va venir faire ça à notre place si ce n'est pas nous. Personne. Ce n'est pas un autre pays qui va venir nous dire, ok, asseyez-vous, on va faire comme ça. Ce qui est, c'est nous. Il faut qu'on protège pour que nous tous, on en bénéficie. Il faut qu'on soit honnête entre nous. C'est ça qui nous manque, la famille. Soyons honnêtes entre nous. Travaillons dans l'amour. Travaillons dans la sincérité. Ne regarde pas l'argent. Mon grand-père m'a toujours dit, quand tu fais un bon travail, le nom de ça est plus que l'argent. Et c'est vrai. Le nom de ça est plus que l'argent, la famille. S'il vous plaît, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. Je m'arrête ici aujourd'hui. Je sais qu'il fait tard. Mais le message serait là chaque jour. Chaque matin, chaque soir pour vous dire, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. Tu sais, Dieu ne fait pas aussi quelque chose au hasard. Dieu a fait envoyer les satans là pour nous montrer que on doit se donner la main parce que la difficulté qui est sur nous là, Dieu montre tout ça là pour qu'on se donne la main. Il ne faut pas qu'on suive les comportements sales là. Parce que quand on suit ça, la Guinée serait toujours comme ça là. Ça ne va pas changer. Donc Dieu les a envoyés aussi pour qu'on prenne du leçon. On se donne la main pour travailler ensemble la famille. Il ne faut pas qu'on donne le temps à les sataniques là. Trop, c'est trop. Ils ont tué nos papas. Ils ont tué nos sœurs. Ils ont tué nos frères. D'autres sont emprisonnés pour ne rien. Rien du tout. C'est forcé d'aimer quelqu'un. Et puis avec tes sales comportements là, qui va aimer ça? On ne va pas vous aimer. Parce que ce que nous, on veut... Vous avez bafoué ça 10 ans, ce n'est pas 10 jours. On ne va pas vous aimer. Vous allez partir. Et le moment est là. On serait là chaque jour à vous parler parce que vous n'êtes plus maintenant les êtres humains. Vous êtes parti prendre Satan pour venir vous arrêter devant nos parents. Parce que les comportements que vous montrez comme ça, là, ça, ce n'est pas un comportement d'un être humain. Ça, ce n'est pas un comportement d'un fils digne du pays. Et vous dites que vous êtes là pour faire un bon travail pour nous. Dieu va vous payer. Tous nos parents qui sont partis là, vous allez les retrouver là-bas. Vous allez les retrouver devant vous là-bas. Et avant de partir... Vous tous, vous allez passer dans les souffrances que vous ne pensez même pas. Parce que nous, on est là chaque jour à prier Dieu pour que vous allez finir mal si ça fait mal. Donc, c'était ça la famille. Demain, c'est l'anniversaire de notre frère qui nous a quittés. Bamba. Là où il est. Il nous voit, on ne le voit pas aujourd'hui. Mais on sait qu'il est dans notre cœur et il est parmi nous. Et le combat là, à cause de eux, on ne va pas laisser. Ils sont partis, mais ils sont là encore avec nous. On ne va pas laisser. Vous êtes partis avec douleur dans votre cœur. Et cette douleur là, on va toujours combattre les ennemis, la famille. Donc, joyeux anniversaire à sa femme,
Sois fort, madame. Tout ce que Dieu fait est bon. Tes enfants-là vont payer ça demain. Donc, on est ensemble, la famille.